Bonjour et bienvenue sur une fonction ou une, un outil d'Excel en trois minutes ou moins. Et au menu du jour, on va s'intéresser à la fonction texte. Alors, on va le faire en plusieurs parties, hein, la fonction texte, euh, parce que c'est une fonction qui est plutôt vaste, parce qu'elle accepte tous les formats de nombres euh, qui existent aussi dans la catégorie format de nombre. Et euh, du coup, pour cette vidéo en particulier, on va s'intéresser que aux dates. Alors ceci étant dit, alors la structure reste la même euh, et l'idée reste la même, on transforme un chiffre en lettres. En, en d'autres termes, on transforme un nombre en texte. Et du coup, on peut dire par exemple j'ai une date ici et je voudrais savoir quel jour de la semaine en toutes lettres c'est. Donc je vais prendre la valeur, la date, et je vais lui donner un format qui m'intéresse. Donc pour avoir le jour en toutes lettres. Donc 1J, c'est pour avoir le numéro du jour du mois en un chiffre, dans la mesure du possible. 2J, par exemple, c'est le 05 janvier. Donc 05. 3J, c'est les trois premières lettres. Donc si c'est un mardi, ça va écrire mar. Et 4J, c'est le jour en toutes lettres. Donc le 28 avril 2023 sera un vendredi, et ainsi de suite. Même principe pour le mois, donc on va y aller plus rapidement cette fois, la valeur c'est la même, et après le point virgule, on va ouvrir les guillemets, on va faire M M. -M, -M. Donc 4 lettres, donc 1 pour janvier par exemple, euh, 0,1 si je mets 2 M. J-A-N V si je mets 3M, janvier si je mets 4M. Donc là, ça nous dit avril. Donc, si on veut avoir la date en toutes lettres, eh bien, on va mettre égal texte. Et là, on va se faire plaisir en termes de format. On ouvre les guillemets et on va dire jjjj après un seul j pour avoir le numéro dans le mois, mmmm pour avoir le mois et aaaa pour avoir l'année avec les quatre chiffres. On aurait pu juste mettre deux a pour avoir juste par exemple 23 au lieu de 2023. On ferme la parenthèse et nous dit vendredi. 28 avril 2023. Gardez en tête bien sûr que ça devient du texte, donc euh, si vous vouliez faire euh, des calculs dessus c'est un peu moins possible. Donc euh, vous pouvez toujours utiliser les dates qui sont déjà inscrites sous format numérique et du coup là on obtient bien le bon résultat. Voilà pour euh, la première partie de la fonction texte, on se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction ou bien un outil d'Excel.